Nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 31. Comme je disais, je priais le Seigneur, j'ai demandé, papa, qu'est-ce que nous allons partager? Donne-nous, papa, un mot de circonstance, parce que chaque fois lorsque nous nous réunissons dans la présence de Dieu, nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de notre force. Et une bonne prière, c'est une prière inspirée, c'est une prière qui est faite selon la parole. Ok? Ouais. Car Dieu est sa parole, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour nous une journée de joie, de reconnaissance, et comme nous l'avons dit, des dédicaces. Je priais et le Seigneur m'a inspiré ce texte. C'est un texte qui est long, mais je vais couper ça. Ok? Amen. Et nous allons prendre l'essentiel et nous allons partager. Et le Saint-Esprit, je le crois, va parler à chacun de nous. Amen. À chacun de nous. Et ça va nous permettre de prier et de passer cette journée d'action de grâce dans sa présence et remettre ainsi l'année qui vient entre les mains de Dieu. Amen. J'ai lu la parole de Dieu, Nombre chapitre 31, je vais commencer au premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur le Madianite. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Est-ce que vous y êtes? Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance. D'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On lit le verset 6. Moïse envoya à l'armée 100 000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar Finé, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres. Evi, Rekem, Tur, Ur et Reba, 5 rois de Madian, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Nous allons sauter. Allons avec moi au 48e verset. Ok? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Les commandants des milieux de l'armée, le chef des milliers et le chef des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait les comptes des soldats qui étaient sous nos ordres. Et il ne manque pas un homme d'entre nous. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, la vie est une guerre. Lorsque vous naissez dans la maternité, vous entrez dans ce monde, vous entrez dans la guerre, que vous soyez conscient ou pas. Et lorsque vous acceptez Jésus-Christ aussi, là, on parle de la maternité spirituelle. Ok? Amen. Vous déclarez la guerre contre Satan, contre l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait regarder ce qu'il écoutait. En leur disant, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli et forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Peuple de Dieu, que vous l'ayez accepté ou pas, vous ferez la guerre. Amen. Si
vous voulez marcher dans la victoire, vous devez être des assaillants, vous devez être des guerriers comme l'a été notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait. Et dans chaque guerre, il y a des dégâts. De part et d'autre. Est-ce que ça va? Amen. Lorsqu'on parle de la guerre, on parle aussi de la victoire. Et Dieu nous appelle à marcher dans la victoire, car Christ a vaincu pour nous. Et il a dit, tout est accompli sur la croix de quelqu'un. Amen. Lorsque vous serez en train de jouer, la faute sera vôtre, pas de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de croire que tout sera facile. Comme une catégorie d'enfants de Dieu qui croient sans doute au mauvais évangile, on leur a dit, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout va vous arriver comme sur des roulettes. Mauvaise information. Mal compréhension de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il est dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous avons le salut lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est gratuit. Christ est mort pour ça. Pour aller au ciel, il n'y a pas de prix à payer. Mais certaines réalités de cette vie, pour les acquérir, tu dois te battre. Amen. Car Dieu a mis à notre disposition des lois, des principes et des protocoles à respecter pour attirer certaines bénédictions dans notre vie. Amen. Je le disais, on croyait à tort, ou on assimilait la terre promise à tort, comme si c'était le ciel. Dieu nous a délivrés pour nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et or, la vérité de la terre promise pour les Israélites, ce n'était pas la spiritualité. C'était acquérir des terrains, des territoires visibles. Est-ce que ça va? Amen. Le message était clair. Je suis venu pour vous délivrer et pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays qu'habitent les Amoréens, les Jébusiens, ainsi de suite. Tous ces peuples-là. C'est comme si... Si on veut être rationnel, ce que Dieu disait aux enfants d'Israël n'était pas correct. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient des esclaves. Pendant 4 siècles, ils n'avaient aucune identité. Si je peux extrapoler en disant aucune instruction. Parce qu'Israël n'était pas une nation, c'était un peuple. Réduit au dur labeur, à la corvée. Mais Dieu va ouvrir une porte de volonté, de la liberté, mais pour aller faire quoi? Est-ce que ça va? Amen. Aller occuper des territoires, posséder les territoires occupés par des armées, des gens guerriers. Si la promesse de Dieu paraît facile pour toi, comme c'est la monnaie courante aujourd'hui, je vous dis que vous vous trompez. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont déçus. On a des païens vétérés dans le christianisme, des pasteurs, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ne croient plus à la puissance de Dieu parce qu'ils ont été mal informés. Le nom de Jésus-Christ est devenu comme un slogan, mais le miracle ne suit pas. Je suis fier. Nous avons commencé cet endroit par la grâce de Dieu. Amen. Nous payons cher. Aujourd'hui, j'ai la fierté de dire, on avait prié le premier, lorsqu'on a occupé cet endroit, qu'on n'aura jamais de dette dans cet endroit. Amen. Ok? On ne dira jamais qu'on est en train de nous mettre dans la rue parce qu'on n'a pas à payer. À aucun moment, soyons sérieux, on est passé ici pour dire qu'on manque l'argent pour payer les locales. Vous savez combien nous payons? Qui sait combien nous payons ici? À la normale, c'est 1100 euros, cet espace. Ok? Avec des preuves avec moi, sous la pupitre là. Le Covid ne nous a pas épargnés. 4 mois, on est resté à la maison, voire 6. Hein? La dette s'est accumulée. Vous vous rappelez? Ah, vous vous rappelez ou pas?
Amen. Quand on a repris, la dette était si énorme. Je me disais, mon Dieu, le Seigneur me disait, j'ai dit que je serai avec vous. Amen. Amen. Et au moment où nous parlons, le loyer avait escaladé pour 1500 euros. Quand on regarde combien nous sommes, si ce n'est pas un miracle, à aucun moment je suis allé chercher quelqu'un, un membre de cette communauté, qu'on va nous mettre dans la rue, vrai ou faux? Si c'est le cas, dites-le. Il nous a secouris tel qu'il avait dit, parce que j'avais la foi. Et j'ai dit, aucun moment je ne me mettrai ici pour dire qu'on manque de quoi que ce soit. Sinon, si c'est lui qui nous a appelés, il n'a qu'à défendre son nom. Et Dieu sait très bien défendre son nom. Et il sait très bien défendre son peuple. S'il y a des choses qui ne marchent pas, examinez comment vous vous conduisez devant la face de Dieu. Moïse va être appelé par Dieu. Ok? Arrivera un moment, Dieu va lui dire, mon maintenant, ton temps va s'arrêter. Tu vas être recueilli parmi ceux qui t'ont précédé. Ok? Est-ce que ça va? Amen. Prépare le peuple. Envoie-les au combat contre les Madians. Vous allez exécuter ma vengeance. Je disais en passant la vie dans son ensemble est une guerre. Et les défis que nous rencontrons, que nous rencontrerons, ce sont des combats, sinon des batailles. Est-ce que ça va? Amen. Remporter une bataille, cela ne veut pas dire qu'emporter la guerre. Amen. La guerre reste entière jusqu'au jour où tu retournes au Père, sinon le retour glorieux de notre Christ que l'Église doit attendre avec ferveur. Et en parler chaque instant que l'occasion se présente. Est-ce que ça va? Amen. C'est à tort lorsque vous gagnez une bataille. Vous croyez que tout est fini et vous partez. Et nous voyons ici certains enfants de Dieu, lorsqu'ils sont bénis, ils s'en vont. Quand ça va mal, ils sont là. Quand tout va bien seulement, ils s'en vont. Tu te bats contre les célibats. Quand tu vas te marier, la bataille des célibats tombera, ok? La bataille de conserver son mariage va s'annoncer devant toi. Amen. Tu te bats contre le chômage, ok? Lorsque tu auras tes papiers là, pour lesquels tu te bats, il y aura la bataille de trouver du travail, n'est-ce pas? Amen. Et de les conserver. Donc, on est jalonné comme ça par des besoins, des batailles que nous devons remporter jusqu'au retour de Christ. Mm. Mais la guerre reste entière. Mon ami, tu dois te battre. Amen. Tu dois te battre par l'ordre de l'Éternel. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Dis aux enfants d'Israël, rassemblez les hommes. Les problèmes qui te tracassent, concentre-toi. Cherche Dieu dans la parole. Ne te partis pas. Il est là, il est présent, il est réel, il est vivant. Prépare-toi, Moïse a donné l'ordre. On a réuni les gens pour aller combattre Madian. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas se battre. Tout ce que tu ne domineras pas aujourd'hui, demain, reviendra en force et t'écrasera. Tu as tout intérêt à t'élever, à t'armer pour aller au combat. La situation, c'est vrai, est dure. Mais je suis un enfant de Dieu, je marche. Selon la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit la parole. Seigneur, il a dit ceci. Et je commence à prier. D'où la prière de guerre. Hein? Ok? La prière des combats de gagner. Mais lorsqu'on mène un combat, une bataille, une guerre, après arrive un moment de bilan, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai gagné? Ou pas? Si je n'ai pas gagné, qu'est-ce que je dois faire pour gagner demain? Ainsi, le peuple d'Israël a accepté l'ordre donné par Moïse, venant de Dieu. Et ils ont rassemblé les gens, ils sont allés combattre. Ils se sont battus et le combat était rude, le Madianite était des guerriers. Souvenez-vous, ces gens-là, le peuple d'Israël, n'avaient aucune expérience de la guerre. Est-ce que ça va? Amen.
Il ne savait pas manier de l'épée. Ok? Ils avaient l'épée à double tranchant sur eux, l'épée de l'Éternel qui les conduisait. La guerre, vous n'allez pas la faire vous-même, mais vous la ferez avec Dieu. Amen. Pourquoi avez-vous peur? Ils devaient se confronter aux guerriers, aux chevronnés de la guerre devant eux. Ils ont refusé de le faire passer. Dieu vous a donné ce territoire, on va voir. Bien-aimés, il y a des gens qui savent bien que Dieu vous a béni, mais ils vont vous contester vos héritages. Il y a des familles où les gens regardent cette fille-là, elle a l'étoile. Mais ce n'est pas elle qui va régner. On va prendre ton étoile, on va la voler pour donner à quelqu'un d'autre. C'est à toi de t'élever et de te battre pour récupérer ton étoile. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sauront que l'Éternel t'a appelé. Il y a d'autres serviteurs qui vont s'élever, qui vont te barrer la route sciemment. Parce qu'ils ne veulent pas te voir libre. Ils ne veulent pas te voir entrer dans ton héritage. C'était le cas pour le peuple d'Israël. Les Madianites étaient là. Bien-aimés, les enfants d'Israël se sont conscientisés. En top des mille. Par demi. Ils sont allés à la guerre. Ils ont fait la guerre aux Madianites. Ils les ont vaincus. Ils étaient rassemblés 5 rois contre ce peuple. Mais eux, ils se battaient au nom de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, si nous marchons par la vue, mais néanmoins, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Okay? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Amen. Pour renverser tout raisonnement, toute autorité qui s'élève contre la volonté de Dieu dans ta vie. Christ a dit, priez comme ceci, que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que ça se fera automatiquement. Il a dit, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Le diable se poumonne empêcher la volonté de Dieu dans votre vie pour que vous ne puissiez pas servir. Bien-aimé, tant que vous ne servirez pas Dieu, la condamnation, la puissance de Satan sera sur vous. Mais lorsque vous entrerez dans la volonté du Père, vous allez voir que les choses vont changer à votre égard. Rehaussez votre niveau. Ne vous contentez pas d'avoir gagné une petite bataille et abandonné la foi. Ils se sont battus pour leur territoire. Certaines promesses de Dieu paraîtront comme mensonges. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas promettre à quelqu'un quelque chose qui est occupé par un homme rempli, armé jusqu'au dents. Est-ce que Dieu nous envoie, comme disait le Français, la casse-pipe? Où il veut notre bonheur? Vous savez, lorsque les 2 espions sont allés dans Canaan, ils ont vu les géants, les descendants d'Anak. Ils étaient à leurs yeux, aux leurs, comme des sauterelles. Est-ce que ça va? Amen. Les rapports étaient si sinistres qu'ils ont poussé tous les peuples à pleurer. Mais 2 ont gardé confiance. Le combat sera dur et long. Sache-le. Le combat sera dur et long, mais au bout, il y aura la victoire. Que Dieu soit loué. Nous avons commencé avec beaucoup de difficultés. Mais là, les portes se sont ouvertes. Le ciel s'est mobilisé. Je suis fier aujourd'hui de parler avec les responsables de cet endroit. Amen. On n'a pas de dettes, mes amis. Au prix de l'autel de prière et des sacrifices, nous avons triomphé. Amen. Le temps nous manquera pour que je vous présente tout ce que nous avons gagné comme butin, ce que nous avons demandé à Dieu, le matos. N'oubliez pas, je vais vous le montrer. CR Ministry ira loin. Amen. Amen.
Le réveil de la francophonie ne se fera pas sans nous. Amen. C'est un défi. Et nous allons impacter notre génération. Amen. Yes, que Dieu bénisse une femme, que Dieu bénisse un homme. Bien aimé, ils ont fait la guerre, mais au final, ils ont rencontré des défis. Cette année a été une année de guerre, une année de bataille. Ça aurait été le retour du Christ. Beaucoup de chrétiens auraient loupé le ciel. Ça a commencé là-bas au Wuhan, là-bas en Chine. Les gens croyaient que tout était bien. Hein? Nous, on était épargnés. On est dans les sanctuaires, ici, c'est là. Et regarde ce que ce ravage a fait. Le monde entier a été à genoux. Vous comprenez ça? Des innocents sont morts en masse. Beaucoup de pasteurs sont morts. Beaucoup de chrétiens sont morts, qu'ils le disent ou pas, nous savons. D'autres sont morts par le COVID-19. Mais toi, non. Pourquoi? Parce que Dieu t'a protégé. Sachez-le. Nullement, aucunement, ça ne se fera jamais qu'une église où nous marchons avec le Saint-Esprit sera l'épicentre de quoi que ce soit. Amen. Pourquoi? Parce que une des missions de l'église, c'est opérer des miracles, guérir la maladie. Si vous remarquez que dans les sanctuaires, l'église devient l'épicentre, c'est qu'il y a quelque chose. Les gens ne donnent pas crédit à la guérison miracle. Amen. C'est rare de remarquer que vous allez dans des grandes assemblées où on vous dit ceux qui sont malades, mettez-vous debout. C'est rare. Quand les gens se réunissent, ils ne parlent que de la prospérité, que de ceci, que de cela. Regarde, la maladie entre même dans la maison du roi. N'a pas épargné les États-Unis, n'a pas épargné la France. Ok? Mais si tu marches avec le Seigneur et que nous marchons dans les principes, bien-aimé, le miracle sera au rendez-vous. Je ne me lève pas le matin avec l'espoir que je vais tomber malade. Je ne tomberai pas malade. Amen. Jusqu'à l'extermination totale. Amen. De cette contagion. Pourquoi? Parce que la Bible dit. La Bible est claire. La contagion ne m'atteindra pas. Ma prière, mon esprit est aiguisé comme une épée affûtée. Je crois en la parole comme je crois en mon âme. Je suis vivant. Et le chant de l'ancienne alliance priait ainsi. Tu es vivant, l'Éternel, mon âme est vivante. Il y avait comme une connexion parce que Dieu nous appelle à marcher en communion permanente avec lui. Pas de mensonges, pas de d'affabulation, rien. Clair comme limpide, comme l'eau de la source et la puissance de Dieu sur elle. Amen. Ils ont fait les combats. Nous avions prié. On a fait des déclarations ici. Si vous le croyez, que Dieu vous bénisse. Si vous ne le croyez pas, moi je crois et je. En voici les fruits. En voici les fruits. Aucun de nous n'est tombé. On avait dit Seigneur, celle-là de CR Ministries, ceux qui participent à l'avancement de ces ministères, tant que ce sacerdoce sera debout, leur vie aussi le sera. Vous Amen. Marcherez de percée en percée. Amen. Il y a des témoignages puissants que Amen. Dieu fait. Il y a des gens qui allaient perdre leur travail. On a prié, Dieu a dit vous ne perdrez pas ce travail. Ils ont ce travail-là miraculeusement. Et j'en suis fier. J'ai mes enfants qui sont bénis partout à travers le monde. Parce qu'ils restent connectés. Ils croient ce que nous faisons. Un frère, que Dieu te bénisse. Tu es un homme de percée. Amen. Ok? Ta vie n'est que miracle, miracle, miracle. Mais il faut qu'à un moment donné, tu rendes compte à Dieu. Amen. Tu encourages les autres. N'aie pas honte ni peur de dire ce que tu fus et ce que tu es. Ce que Dieu a fait dans ta vie. L'apôtre Paul dit, je ne prends pas de l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Mais les chefs des armées, après avoir livré bataille et guerre, après, ce sera le moment des rapports. Est-ce que ça va? Amen. Faire les rapports de la guerre.
Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions dans la guerre comme eux. Nous nous sommes battus aussi. Et le constat est plutôt positif. Ok? Amen. Les rapports de chef au 48e verset, mettons des chefs de poule. Mettons des fils qui disent que les commandants des milliers de l'armée, des chefs de milliers, et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse. Yes. Et lui dit, moi, Seigneur, merci parce qu'aucun des enfants de ces ministres est tombé. Aucun. Amen. Aucun. Je le disais ici, si par malheur la maladie s'est trompée d'adresse et venue se loger en toi. Ok? Ok? Amen. On t'a diagnostiqué positif ou je ne sais de quoi. N'ayez pas peur, la maladie s'est trompée d'adresse, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit que moi je connais, le Saint-Esprit qui m'a baptisé en 94 pour que je me lève dans le ministère, qui agit efficacement jusqu'à aujourd'hui, qui a ouvert des portes, des ambassades, des pays, de ceci, de cela, le porte de mariage, le porte de famille, le porte de richesse, de ceci, de cela. Ce Saint-Esprit-là ne partage jamais son temple avec la maladie. Amen. Non! Si ça a perdu, c'est qu'il y a un problème. La Bible est claire parce que je fonde ma foi, mes bien-aimés, voyez-vous, dans ce livre. Dans ce livre, mes bien-aimés. C'est plus que le fétiche. Amen. Lorsque tu déclares certaines choses qui sont ici, même le diable les recule. Parce qu'il y a le veto, la loi n'est par-dessus. Le sang. Toutes les maisons sur lesquelles sera mis, sur les linteaux, le sang, l'exterminateur, passera par-dessus. Alléluia. Donc nous avons la loi de Dieu. Donc nous sommes, nous l'Église, nous les chrétiens, nous la communauté de CR Ministries, yes, un veto de Dieu. Amen. Voilà. Et nous avons fait des déclarations prophétiques ici. On a prié, on a parlé, on a en janvier, février, mars, avril, mai, juin, nous avons prié, on a confié nos vies entre les mains de l'Éternel. Et jusqu'ici, l'Éternel nous a sécurisés. Je dirais, comme a dit le prophète Samuel, et Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a sécurisés. Jusqu'ici, on ne nous a pas mis dans la rue parce qu'on a été fidèles avec Dieu. Ceux qui suivent le son de ma voix, tu acquiesces ce que mon Dieu te dit par le Saint-Esprit. On ne te foutra jamais. Amen. Non. C'est toi qui choisiras là où tu dois résider. Amen. Mais si tu n'obéis pas, ça sera le chaos. Et le chaos que tu es en train de créer, c'est toi. Bien-aimé, écoutez les rapports. Et lui dit, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres. Et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun de nos objets d'or. Roba Santa Rabakarabashita. Que nous avons trouvé des chaînettes, bracelets, anneaux, pendant d'or, des colliers en fait de fer pour nos personnes. L'expiation devant l'Éternel. Est-ce que ça va? Amen. Et Moïse, le sacrificateur, et Eléazar, et sur deux, tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que le chef des milliers et le chef des centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16140 cycles. Maïere Sabakoro Oshanarabate, je te souhaite le richesse du monde bien-aimé. Quelle porte s'ouvre dans ta vie? Que toutes les complications soient absorbées par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Ils continuent, ils disent, les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse le sacrificateur, il avait pris l'or de chaque des milliers et de chaque des centaines et la portèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Come on. Que Dieu
Dieu persiste. Amen. Là, nous voulons dire, Seigneur, merci. Si tu n'as pas eu de l'or, ni de chaînettes, ni d'autres choses, parce que tu n'as pas bien combattu, mais je t'assure que tu as la source de tout. Amen. Tu as ton âme à l'état de fonctionnement. Ok? Sans laquelle, tous ces ors-là ne serviront à rien. Yes! Celui qui est vivant peut espérer en tout. Dites, Seigneur, merci pour ces butins que tu m'as donnés. Ils ont gardé chacun leur butin. Ton cœur, c'est ton butin. Amen. Ta vie, c'est ton butin. Ta santé, c'est ton butin. Ta beauté, c'est ton butin. Alléluia. Amen. Garde-les jalousement. Et là, nous voulons maintenant dire à Dieu, Seigneur, merci. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Si je ne te loue pas parce que je n'ai pas eu des chaînettes d'or, je n'ai pas acheté la maison cette fois-ci, je n'ai pas eu les papiers que je voulais, je n'ai pas... Ok, mais louons-le pour le butin que tu gardes en toi, le souffle de vie. Tu n'es pas le maître pour le maintenir en toi, ou la maîtresse de cela. C'est Dieu lui seul qui garde en nous notre souffle, pour que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Il a maintenu ton nom dans les faisceaux des vivants. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire merci? Et enfin, Moïse va partir, mais le combat va... Non, la guerre va continuer. La conquête va être poursuivie avec Josué. Je ne me contente pas de bataille. Je dois gagner, mettre sur mon panier de coupes, de vestiges, de choses semblables. Comme là, pas d'être. Moi, je connais des gens, des grands ministères qui ont fermé. Plus moyen, plus des offrandes qui rentrent. Hein? Plus moyen de payer les locaux. En cascade, ils sont tombés. Ils n'ont que le face de bouc pour communiquer en live. Heureusement. Mais nous avons et les lives et notre local. Et pour longtemps, la bonne nouvelle, nous allons acquérir là. Pour nous. Ok? Comme je l'ai dit, écoutez bien ce que j'ai dit. Les réveils de la francophonie ici ne se fera pas sans nous. Vous allez nous retrouver quelque part. Donnez-nous seulement les. Ah, que Dieu bénisse une femme, que Dieu bénisse un homme. Je crois en vous. Amen. Comme Dieu croit. Quelle que soit la situation que vous traversez, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment par terre, comme moi-même, jadis. Dieu m'a dit, personne ne te mettra plus jamais dehors. Amen. Dieu m'a dit, je l'ai entendu comme vous pouvez m'entendre. Dans ta vie, tu ne manqueras jamais où mettre ta tête. Tu ne manqueras jamais les tissus sur ton corps. Vous savez, voilà pourquoi je n'aime pas mettre n'importe quoi, parce que j'ai entendu cela de la bouche de l'Éternel. Amen. Covid ou pas, nous avons été bénis. Amen. Moi, j'ai été grandement béni dans cette période. Hein? Amen. Hein? Amen. Une grosse bénédiction dehors là-bas. Amen. Ah, alléluia, que Dieu soit loué. Mets-toi debout. Les enfants, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu qui vous a gardé? Il vous a donné des parents qui sont là pour toi. Marie, est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci? Tu m'as donné ma maman qui est là pour moi. Il y a d'autres enfants comme moi, n'ont pas de mère. Élisée, est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci, tu m'as donné un papa charmant qui s'occupe de moi comme il se doit. Bien que tu sois plus beau que lui, hein? Parce qu'il a dit au salon de coiffure là-bas. Il a crié devant tout le monde qu'il est plus beau que le papa. Moi, je dis, t'as raison. Alléluia. Amen. Mon souci est que tu puisses réussir là où papa, hein? Avoir ce que papa n'a pas eu, hein? Tout le bonheur du monde va de l'avant, mon fils, et rien ne t'arrivera. Ok, tu es très bon et la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Ma soeur, Dieu t'a amené ici pour que tu rencontres une parole pure qui sort de la source authentique. Hein? Dieu veut te stabiliser. Tu as besoin qu'on t'écoute. Hein? Parce que nous avons aussi l'option prophétique ici. Hein? On peut rentrer aussi dans les vies des gens comme dans des livres. Hein?
Mais soyons sérieux. Un vrai prophète de Dieu ne dit que ce que Dieu a dit. Alléluia. Attention avec les histoires. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu ne parle pas en vain. Et en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Lorsque Dieu libère une parole, il m'a libéré une parole dans des moments compliqués. Cette parole s'est accomplie. Amen. Tout était noir, compris que moi qui vous parle, j'ai fait une prière funèbre parce que je pensais que j'allais y rester. Mais Dieu a refusé d'écouter cette prière-là parce qu'il m'avait dit la vie avec tout ce qui va avec. Et je peux témoigner de cela aujourd'hui. Donc je ne rigole pas avec les choses de Dieu. J'ai un esprit prophétique authentique et puissant qui se manifeste par la volonté de Dieu en temps voulu. Est-ce que ça va? Et je suis vraiment meilleur dans mon élément. Vous comprenez ça? Que Dieu bénisse une femme, que Dieu bénisse un homme. Lève ta main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah, je ne vous entends pas. Votre façon de parler me titille un peu là. Lève ta main droite et dis à même point, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Ah, je ne vous entends pas parler. Baissez un peu le masque avant de parler. De crier. Priez, parlez, parlez, sortez votre voix. Il a besoin de vous entendre. Vos déclarations vont se transformer en miracle dans votre vie. Parle. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. De m'avoir protégé. De m'avoir protégé. J'ai remporté les batailles. J'ai remporté. J'ai gagné. J'ai gagné. Par le sang de Jésus. Par le sang. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que j'ai gardé. Le butin. Le butin. De ma vie. De ma vie. Mon âme. Mon âme. Mon cœur. Mon cœur. Même si d'autres choses n'ont pas marché comme dans la vie de mon pasteur mais j'ai ma vie avec moi j'ai ma vie et les opportunités devant ma face une porte d'un accès efficace mais ouverte et géante au nom de Jésus Christ de Nazareth commence à prier et merci le ressort à porter besoin de deux autels, l'autel de prière et l'autel du sacrifice. Nous faisons cela chaque fois. Il y a des prières qui deviennent de flammes de feu dans nos vies parce que nous l'avons assaisonné par des sacrifices. Car la Bible dit, en toute chose ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en paix dans le Seigneur. Car le sacrifice que nous mettons sur l'autel parle à notre faveur. Le son parle. Il y a le son de Satan, le son des autels de famille qui vont crier contre toi. Mais l'autel du Seigneur va crier. L'autel des hommes a crié contre Pierre. Pierre a été arrêté. Mais l'autel de Dieu était en train de prier. Actes chapitre 12. L'église priait sans cesse. L'autel le plus puissant a dominé l'autel le plus faible. L'ange du Seigneur est atterri dans la prison et Pierre a été libéré parce qu'il y avait l'autel de Dieu qui criait. Autel! Libère cet homme! Et le ciel a été mobilisé. Pierre a été libéré miraculeusement. Plusieurs fois, j'ai vécu ce genre de démonstration du Saint-Esprit. Tu dois marcher dans le miracle. Pour cela, il faut faire des choses bien, telles que la Bible nous les demande, sans écouter les ragots des satanistes par-ci par-là, qui ont pour but de désacraliser les choses de Dieu. Que la main de l'Éternel te soit accordée. Je vais prier pour toi et nous allons passer dans cette prière. Ce sera une prière courte pour chaque mois, une minute pour chaque mois. Ok? Nous allons entrer ensemble. Et je vais vous souhaiter l'année 2022. Vous comprenez? Parce qu'on avait déjà vécu l'année 2021. Vous savez, qui peut nous ouvrir la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18? C'est Inès. Vas-y rapidement et lis ça à haute voix. Je vais vous expliquer. Vous qui avez peur, là, vous croyez que vous allez mourir par la maladie, par les accidents, par les sorciers de votre famille, là, et tout ça. Quand tu es véritablement chrétien, une bonne chrétienne qui marche selon le principe, ok, tu es soutenu par celui qui tient le séjour des morts et les clés de la mort. Vous comprenez? Parce que toute maladie, tout ce que vous allez rencontrer dans votre vie a pour but de faire quoi? C'est ça. De faire quoi? La maladie. La finalité d'une grande, grave maladie, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort pour que tu disparaisses. Mm. Okay. Mais la mort a un nom. Ok? Amen. Pour que tu meurs, il faut que la clé de la mort soit accordée au séjour des morts. Vous comprenez? Amen. Mais celui que nous prions, que moi je prie, que je vous annonce, il tient la clé de la mort. Parce que moi, ma mort a été refusée. Il y aura les temps où je vous rencontrerai des choses. Amen. J'ai une cicatrice de 25 cm que vous voyez là. Vous comprenez ça? Amen. Comment pendant des jours, loin, sans quelqu'un à côté, mais l'Éternel a refusé. Vous comprenez? Amen. Ézéchias aussi avait refusé d'aller dans le séjour des morts. Dis-nous. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Si ça, suis. Comment vous prénommez? Ornella, que Dieu te bénisse. Je vais discuter un peu avec toi. Bon. Je ne vais pas te dire ici, je vais discuter un peu avec toi. Tu as besoin vraiment de la stabilité de Dieu dans ta vie. D'être bien encadré. Vas-y. Apocalypse 1er, verset 18. Oui. Je suis le premier. Oui. Et le dernier. Oui. Et le vivant. Oui. J'étais mort. Oui. Et voici. Oui. Je suis vivant. Amen. Au siècle des siècles. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah, oubliez que vous ne suivez pas. Lis ça avec des niaques, hein, les niaques, comme disent les Auvergnats, avec les niaques, là, avec. Hein, t'as pris vraiment, voilà. Je suis le dernier et le. Je suis le premier et le dernier. Amen. Et le vivant. Oui. J'étais mort. Oui. Et voici. Oui. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez, c'est Jésus là qui parle. C'est Jésus qui parle là, c'est le Jésus de l'Apocalypse. Il n'a rien à voir avec le Jésus qui a vécu à Jérusalem. Ok, en Amen. Tant que l'agneau de Dieu, là il parle en tant que lion qui a vaincu. Vous savez, il était mort, il est revenu à la vie et il tient entre ses mains quoi? Les séjours, les clés des séjours de mort et de la mort. Donc la mort ne peut pas te réclamer sans l'autorisation préalable de ce Jésus-là. Alléluia.
Le Jésus que je vous parle. Alors arrêtez d'avoir peur. Amen. Protégez-vous, mais arrêtez d'avoir peur parce que notre royaume n'est pas conduit par la peur. Notre royaume est conduit par la foi. Amen. La conviction. Ok? Amen. Convaincu de la puissance de Dieu. Aucun de vous ne tombera. Les rapports sont clairs. Aucun de soldats n'est tombé. Dans notre église, on n'a enterré personne et on enterrera personne. Je n'ai pas envie d'enterrer quelqu'un. Amen. Pourquoi? Pour la simple raison. Qu'est-ce que Dieu gagnerait si tu meurs aujourd'hui? Et surtout dans l'état dans lequel tu te retrouves là. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Maman, est-ce que Dieu va gagner quelque chose si tu tombes aujourd'hui et que tes enfants restent orphelins et orphelines? Non. Frère, si tu tombes aujourd'hui dans la force de l'âge comme ça, qu'est-ce que Dieu va gagner? Dieu poursuit des intérêts pour que son royaume s'agrandisse. Il a besoin des évangélistes. Amen. Des gens qui révalorisent leur foi. Alors, loin de toi la mort. Loin de toi les pensées de la mort. Amen. Que la vie et tout ce qui va avec, soit accordé aux centuples dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te bénis parce que tu es merveilleux. Le premier et le dernier. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie, le vivant. Le Seigneur de notre foi, le parfait modèle. Tu tiens le séjour des morts entre tes mains. Et les clés de la mort entre tes mains, ô Jésus. Seulement par le Saint-Esprit, donne confiance et conscience à ton Église que rien ne peut nous arriver sans l'autorisation préalable de notre Dieu. Je bannis la peur dans le cœur de ton peuple, Seigneur. La peur d'échouer, de ne pas aller de l'avant. Merci, Papa, pour ta main étendue. Même si hier, certaines choses n'ont pas marché, nous avons foi et confiance. Nous avons une conviction inébranlable fondée par la parole de Dieu. Que nous réussirons, Seigneur, nous réussirons. Nous sommes condamnés à la réussite. Et je condamne tes enfants, Seigneur, à la réussite, à l'élévation, au succès, à la gloire, à l'épanouissement, au miracle, au surnaturel, à l'élévation, à tout ce qui est bien, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié et nous te disons, Papa, gloire et louange. À toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux.